Excellency, President Emmanuel Macron, distinguished members of the delegation, ladies and gentlemen, first, I want to welcome you, Mr. President, my friend, and your delegation to Rwanda. Today is a moment to speak to the present and to the future while reflecting on the past that brought us here. Mr. President, the President has just made an important statement at the Kigali Genocide Memorial. This was a powerful speech with special meaning for what is taking place now and which will resonate well beyond Rwanda. His words were something more valuable than an apology. They were the truth. Speaking the truth is risky, but you do it because it is right. Even when it costs you something, even when it is unpopular. Despite some loud noises and voices, President Macron took this step. Politically and morally, this was an act of tremendous courage. These risks paid off because there was good faith on both sides. It was important not to rush the process. The facts had to be properly established. Our respective societies also needed the chance to debate and deliberate. One step led to another. And that is how we got to this point, which is itself another step and a major one. In Rwanda and France, so many individuals who are too numerous to name have kept asking questions year after year, demanding clarity. They come from civil society, academia, and journalism. Some are simply concerned citizens. We would not be here today without their tireless efforts, and I wish to record our profound thanks and appreciation. The truth heals. This is the principle upon which Rwanda's entire project of national unity and reconciliation is based. That has been our experience
as Rwandans. There is no shortcut. Our conviction from the beginning was that the process of reckoning with the role of France had to follow the same logic. And in any case, we knew it could not be harder than reconciling with ourselves. No grain of truth has been sacrificed, but the weight of responsibility has been put back where it belongs, with those who made the decisions. Whether or not there are trials, justice is also rendered by the court of history, and the work of historical documentation must continue jointly. This quest for truth has occurred in the context of the complexity of the challenges that Rwanda has faced over the last 27 years. Rwanda could easily have remained a failed state. Some may even have felt vindicated by that. Others actually worked to make sure that Rwanda failed. But we worked together as a nation to design solutions for our unique challenges. And indeed, on every dimension, including human rights, the Rwanda of today is objectively a nation transformed for the better. We continue to exist as a united people against all odds, and we are constantly striving to be better still. There is a way of looking at Africa from the outside that automatically associates every success with some huge cost in terms of fundamental values and freedoms. This is not to say that Africa has no bad actors. It does. They are there. They may even be numerous, but no more so than everywhere else in the world. The difference is that Africa as a whole comes to be defined by those bad actors, whereas elsewhere, these bad actors are exceptions. This assumption creates a reference point where Africa is always down while others are up. It secures those others in the conviction that they have a natural right to do and say whatever they want in relation to Africa, to give lessons and pass judgment on our choices. Unfortunately, some of our own in Africa also participate in this negative enterprise. The dynamic goes on almost forever, as if it is unstoppable or inevitable.
but it is not. You stop it by doing what you believe is right, and which, in the end, may indeed prove to be right. The veneer of moral superiority is very thin once you start to scrape at it. Beneath it hides racism, a denial of the intrinsic and equal worth of every human being. It was racism that made a foreseeable genocide in Africa seem tolerable. Racism and ideology and genocide ideology exist on the same continuum. They are forms of dehumanization, and they pose a growing threat to society in every continent. Our civilized world must come together to fight racism and genocide ideology in a concerted and consistent fashion. There are attitudes inherited from the past that have needed to change for a long time. And I want to say that President Macron is among those who realized that things need to change and is taking a strong stand in trying to bring about that change. It's not about speaking on Africa's behalf, but rather ensuring that the voices of Rwandans and Africans can join together with the rest of the world in a pursuit of common objectives, irrespective of where we come from. President Macron is someone who listens, and he's committed to supporting Africa based on what Africa itself has chosen. This is different. It is better, and it can last. Fundamentally, this visit is about the future, not the past. France and Rwanda are going to relate much better to the benefit of both our peoples, economically, politically, and in terms of culture. But the relationship between our two countries will never be entirely conventional. There is a special familiarity resulting from the complex and terrible history we share, for better or for worse. We have chosen to make it for the better. We wish to form a strong and sustainable relationship based on priorities that matter to both Rwanda and France. This includes many of the items discussed in our bilateral meeting today, such as investment, digitalization, gender equality, climate change, cultural exchange, and support for entrepreneurship,
small, medium businesses, startups, and especially youth empowerment. Rwanda shall be a strong partner in all of these areas. Mr. President, I once again thank you and your delegation for being with us here today. I thank everyone who is here for your kind attention. I now invite my friend, President Macron, to make his statement, and then we will be happy to take your questions. Thank you. Monsieur le Président, cher Paul, merci beaucoup pour vos mots et les propos que vous venez de tenir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur et une responsabilité particulière d'être ici au Rwanda parmi vous. Et permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation, votre accueil à l'égard de ma délégation et de moi-même. Je mesure toute l'importance symbolique, historique, de cette visite qui est simplement la deuxième d'un président de la République depuis le génocide des Tutsis de 1994. Monsieur le Président, vous avez, je crois, retranscrit parfaitement dans vos propos à l'instant l'esprit qui a animé le travail commun que nous avons conduit depuis 2017. Nous avons commencé à cheminer ensemble. Nous avons décidé de reprendre la voie de la coopération, du dialogue, sans rien occulter des difficultés que nos deux pays ont pu traverser. Nous avons décidé, dès le printemps 2018, de donner le signal d'un rapprochement entre nos deux pays, guidé par la même volonté de regarder en face notre histoire, mais de construire aussi l'avenir pour les jeunes générations. Vous aviez accepté l'invitation de vous rendre à un salon sur le numérique et l'innovation. Et en 3 ans, nous avons franchi ensemble plusieurs étapes et levé plusieurs obstacles. Parce qu'il fallait passer par un examen de vérité. C'est ce que nous avons fait en confiant à une commission d'historiens présidée par le professeur Vincent Duclerc un travail approfondi de recherche et d'analyse sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Je salue le travail remarquable, indépendant, transparent, qui a été accompli par les membres de cette commission. C'est en effet la plus rigoureuse indépendance qui les a accompagnés pendant les 2 ans de travaux qu'ils ont eu à conduire. Et ce travail, qui a également été mené du côté du Rwanda, nous permet aujourd'hui d'avancer vers une histoire partagée et surtout d'en ouvrir une nouvelle page. J'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, sur le génocide des Tutsis, sur la responsabilité de la France. Et vous avez comme poursuivi ces mots avec les vôtres, en disant mieux que je n'aurais pu le dire, et peut-être parce que c'était à vous de le dire, que ce que nous nous devons, c'est la vérité, plutôt que de chercher à nous débarrasser d'un passé qui ne passait pas. Un génocide ne s'excuse pas. On vit avec. Et un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire ?
Ma conviction, c'est qu'avec la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, je vous devais une chose, je nous devais une chose. C'est d'essayer de retranscrire la vérité telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de reconnaître notre responsabilité pour ce qu'elle est. Et ce chemin de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure est, je pense, celui qui nous permet de continuer à faire route. Je partage tout de ce que vous avez dit, cher Président, aussi de la prévention des génocides à venir et de la responsabilité que la compréhension du passé nous confère dans les temps présents. Cette nouvelle page de nos relations bilatérales va amplifier le travail que nous avons déjà engagé ensemble sur plusieurs défis communs. Au plan sanitaire d'abord, qui demeure évidemment la priorité pour nos concitoyens aujourd'hui. Nous nous sommes battus dès le début de la crise sanitaire avec le président Kagame et plusieurs autres leaders africains pour bâtir ensemble une solution solidaire. Nous avons, dès avril 2020, ensemble, lancé un appel qui ensuite a été saisi par le G20. C'est ce qui a permis à l'initiative ACTA, je salue sa présidente parmi nous, d'être ainsi bâtie, construite ensemble, et aux initiatives sanitaires, économiques, ainsi pensées de se construire, avec en particulier la nécessité de venir en aide au système de soins primaires en Afrique, de financer ces derniers, comme nous avons accéléré les choses en matière bilatérale, mais aussi de savoir faire ce geste de solidarité dès la crise consistant à donner des doses de vaccins et à transférer les capacités pour les produire. Nous sommes arrivés ce matin même avec plus de 100 000 nouvelles doses de vaccins pour votre pays dans le cadre du mécanisme COVAX. Et nous serons tout à l'heure dans un centre de vaccination pour marquer cet effort important. Dès 2020, l'Agence française de développement a apporté au gouvernement rwandais des financements de plus de 100 millions d'euros pour accompagner les efforts de lutte contre le Covid-19 au Rwanda, et de nouveaux projets sont encore à l'étude. Et je veux ici saluer, Président, votre rôle, votre implication personnelle, votre volonté que l'Afrique prenne toute sa part pour penser la solution, pour y contribuer, pour contribuer aussi à produire, vous qui avez su tôt comprendre l'importance de l'éducation et de la santé pour permettre à la jeunesse de réussir. Ce réengagement de l'Agence française de développement, amorcé à ma demande en 2019, est un autre signe tangible de la relance de notre relation bilatérale. Ce retour est déjà visible avec un soutien financier de plus de 130 millions d'euros en moins de 2 ans sur des projets qui vont de l'électrification rurale à la formation. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. Ces efforts s'étendent aussi naturellement à la relation économique entre le Rwanda et la France. La présence économique française ici est en constante augmentation depuis 3 ans, avec de nombreuses entreprises qui souhaitent s'inscrire dans la dynamique que l'on trouve ici, dans votre pays. Les leaders français de la logistique sont présents dans votre pays, mais aussi dans de nombreux autres domaines, comme celui des médias, de la communication, de la culture, des infrastructures, du transport. Une délégation m'accompagne aujourd'hui, qui montre aussi que nous souhaitons aller plus loin. En effet, de tailles, de secteurs variés, recouvrant la santé, le numérique, les transports, les énergies renouvelables ou l'agriculture, la délégation qui nous accompagne a la même motivation d'investir dans votre pays, de conclure des partenariats, c'est-à-dire de participer à la croissance, à l'émancipation économique, aux opportunités sur votre sol. Nous nous sommes engagés à appuyer ces efforts en simplifiant les démarches que doivent réaliser les acteurs économiques français pour investir ou s'installer au Rwanda. La Banque publique d'investissement française
s'est également engagé depuis ces dernières années afin de multiplier les perspectives d'investissement dans votre pays. Dans le domaine culturel, j'ai toujours été convaincu que le véritable centre de gravité, je l'ai dit plusieurs fois, de la francophonie, chère Louise, était ici, sur le continent africain. C'est d'ailleurs en ce sens que, au fond, il revenait à une forme d'évidence que la France puisse soutenir la candidature de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui est avec nous aujourd'hui, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. 3 ans plus tard, la francophonie est plus que jamais présente au Rwanda, dans toute la région. Francophonie de reconquête, ouverte, modernisée, qui s'enorgueillit des échanges avec l'anglais, le Kinyarwanda. Et je me réjouis que cette francophonie-là dispose à présent d'un lieu qui lui soit consacré à Kigali, avec le nouveau centre culturel francophone du Rwanda que nous inaugurerons ce soir ensemble. Enfin, cette confiance retrouvée implique évidemment de poursuivre la coopération judiciaire entre nos pays. Alors que nos efforts en matière de lutte contre l'impunité des génocidaires rwandais présumés résidents en France commencent à porter leurs fruits, ils vont être à nouveau renforcés au cours des prochains mois, parce qu'il ne saurait y avoir de réconciliation durable sans justice. Président, vous l'avez dit, l'esprit de notre échange n'est pas simplement de rebâtir une relation, mais aussi d'en faire le cœur d'un rapport, d'une alliance renouvelée avec le continent africain. Mais cette nouvelle relation que nous avons voulu, le président Kagame et moi, pour la France et pour le Rwanda, qui nous permet d'aller maintenant de l'avant, se construit à travers ces différents secteurs et ces quelques piliers que je viens d'évoquer. Elle doit aussi se traduire par des gestes. Le centre culturel ce soir et le fait que j'ai proposé au président Kagame de procéder à la nomination prochaine d'un ambassadeur de France auprès de la République du Rwanda. Depuis 6 ans, le poste demeure vacant et la normalisation de nos relations ne pouvait s'envisager sans cette étape. Cette nomination sera soumise à l'agrément des autorités rwandaises et sa mission reposera sur la feuille de route que nous avons fixée ensemble aujourd'hui. Et je veux ici remercier notre chargé d'affaires et toute son équipe qui, pendant ces années, ont œuvré avec beaucoup d'engagement, de courage et de lucidité pour permettre aussi ce travail sur le terrain aux côtés des Rwandaises et des Rwandais. Je veux croire aujourd'hui que ce rapprochement est irréversible. Il est irréversible pour au moins 2 raisons que nous voulons l'un et l'autre. La première, c'est parce que nous croyons l'un et l'autre dans le même engagement et la même construction d'un partenariat nouveau où les Africains et leurs dirigeants doivent prendre toute leur place. Durant ces 4 dernières années, à chaque fois qu'une tension politique ou qu'un conflit dans la région a pu apparaître, nous n'avons œuvré qu'en soutien de médiation régionale ou de l'Union africaine. La France n'a jamais donné de leçons à qui que ce soit depuis 4 ans. Mais elle a constamment cherché à faire émerger les solutions possibles et les meilleurs, en aidant les dirigeants responsables à faire quelque part cette maïeutique ou parfois cette conciliation. Vous avez à plusieurs reprises été au rendez-vous de cette exigence, Président, et je tiens à vous en remercier. Sur la scène multilatérale, je l'évoquais dès l'année dernière sur la santé, sur le climat, sur l'innovation, sur la réforme de la gouvernance économique. Sur tous ces fronts, le Rwanda est un partenaire clé. Sur la scène régionale aussi,
Le Rwanda est un acteur qui compte et qui est au cœur de cette capacité que peut avoir la France d'aider à faire émerger des réponses régionales. C'est ce que nous avons su faire naguère en République démocratique du Congo. Et je veux à ce titre aujourd'hui adresser un message de solidarité aux populations de Goma durement meurtries et à qui nous devons assistance. Et c'est ce qu'il convient de faire désormais en République centrafricaine ou au Mozambique, comme nous l'avons évoqué ensemble. Parce que vous croyez aussi, cher Président, que la relation que la France et l'Afrique doivent aujourd'hui nouer est celle, justement, d'une alliance exigeante que j'évoquais tout à l'heure, mais qui croit dans le présent et le futur, et qui veut bâtir les termes d'un investissement solidaire et commun. Et puis enfin, parce que cette page que nous ouvrons est celle aussi d'une relation singulière. Vous l'avez dit. Nous nous connaissons, y compris dans nos silences. Et ces 27 années passées, je crois, ne rendent que plus profondes encore les relations qu'en connaissance et en conscience nous décidons aujourd'hui de bâtir. C'est pour toutes ces raisons que je les crois puissantes et irréversibles. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Excellencies, for these powerful and historic words. On va commencer la conférence de presse. On commencera par prendre des questions de la presse française. On vous demande de vous présenter et de présenter l'agence de presse pour laquelle vous posez la question. Y aurait-il des questions de la presse française? Monsieur en costume bleu. Bonjour, messieurs les présidents. Loïc Signor pour CNews. Ici. Une question pour vous, Monsieur le Président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais reconnaissance. N'est-ce pas le risque, Monsieur le Président, de ne contenter personne? À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, Monsieur le Président, un pardon que la France ne demande pas formellement? Merci. Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs mémoires plurielles d'ailleurs traumatisées. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies. Y compris dans notre pays, elle structure aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme d'alternative impossible. Il y aurait d'un côté, d'une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté celles et ceux qui n'aiment pas la France et qui viendraient l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Mais parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité avoir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique, je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regarder en face ce qu'il a fait dans sa complexité,
savoir dire je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou il n'y a pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie, oui. Et je crois que cela grandit la France, cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos. Mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous, nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi, sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part? Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous, nous devons à nous-mêmes, en tant que Français, de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité, telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous le devons à celles et ceux qui sont morts, dans un silence assourdissant. Parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions. Nous tous, communauté internationale. Et nous le devons enfin à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela, ce que la France, je crois, doit faire. Et donc, ça n'est en effet pas contenter tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Je pense que cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner, je l'espère. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Question de la presse rwandaise. Kagabo. Ici devant. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo, je travaille pour Arabie. J'ai deux questions du président. Ariko munyemere mbanze kuri président du Rwanda Paul Kagame. Nyakuba président muri kigiye afungutse page nshya mu mibanire y'u Rwanda n'u Faransa. Mwabwira iki abanyarwanda bakomerekejwe nayo mateka ayo mugenzi wanyu président du Faransa yavuze ko abara iryo joro ari bafite impano yo kubabarira. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, vous avez souligné, je cite, « Un génocide ne se compare pas. Un génocide à une généalogie. Un génocide ne s'excuse pas. » Qu'avez-vous à dire à ce qui politicise l'appellation du génocide perpétré contre le Tutsi et ce qui sème donc la thèse du double génocide? Merci. Ashaka igisubizo mu Kinyarwanda. Icyo nabwira Abanyarwanda ibyinshi ubundi barabikurikirana, ntabyo dukora cyangwa tugeraho tuvuga badakurikiye cyangwa batabwiwe. Njye navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende
ishobora guterwa mu gihe nanone kibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho kibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese kibona nk'undi ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere dutera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite ndetse bibafasha gushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo abanyarwanda rero ndizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho kubera ko u Rwanda rufatanya n'abandi ibindi bihugu mu Bufaransa uyu munsi Perezida w'Ubufaransa watusuye kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka ibyavuzwe ku mugaragaro ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende nibyo nabwira abanyarwanda Merci pour votre question. Je vais être très clair. Je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide. Messieurs les Présidents, alors une question, je suis Françoise Joly de TV5 Monde. Alors une question pour vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous avez dit ce matin dans votre discours au mémorial que vous engagiez à ce que qu'une personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper à la justice. Vous venez encore d'en parler à l'instant. Alors concrètement, comment allez-vous procéder? Est-ce qu'un traité d'extradition va-t-il être signé? Et est-ce que, pour évoquer très symboliquement une personne, en ce qui concerne Agathe Habyarimana, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part du Rwanda, que va-t-il en être de sa situation, puisqu'elle vit depuis très longtemps en France? Et si vous, Monsieur le Président, Rwandais Paul Kagame, vous voulez faire un commentaire sur cette question, ce sera avec plaisir. Alors, je ne vais pas parler de cas particuliers, parce que justement, il ne m'appartient pas de faire le travail qui d'abord procède de la justice, mais ce que nous avons décidé de faire et qui dépendent des chefs d'État. Et ce que je me suis engagé à faire, c'est premièrement de donner tous les moyens pour que la coopération judiciaire s'améliore. Et deuxièmement, c'est de construire toutes les solutions administratives qui peuvent faciliter, d'une part, les poursuites, l'établissement de la vérité et les extraditions, avec le contrôle des juges et le rôle des juges, qui à chaque fois est requis. Donc, si des modifications qui nécessitent des textes intergouvernementaux sont requises, nous les prendrons. D'ores et déjà, les moyens ont été activés et la coopération concrète judiciaire aussi. Une question de la presse rwandaise. Colin? Good morning. My name is Collins Mwai. I write for the New Times Daily. It's a local English daily. Going forward, you have mentioned severally about the need or that this opens a door to a new partnership. And in concrete terms, what are some of the actionable points that we are likely to see happen in the coming days between both parties? And for Rwanda, President Kagame, what are some of the roles or partnerships that you directly envision that France can be involved in this? And on a lighter note, President Macron, there is a buzz skateboard league. I think you might want to find time and come and watch so much. And Rwanda is playing. Thank you.
I think that question you've asked has already been answered by some of the, or through the documents signed by our foreign ministers, one of France and Rwanda. That's what they were doing. I'm sure you were following. Those are exactly the areas where we're going to cooperate. You asked for some, those are some. There could be more that will come later on. But the most important thing is the establishment of this understanding and desire to work together, which has been stated by both the President of the Republic of France and myself. So I think the rest is, the sky is the limit. But before I stop here, let me go back in time. Something I should have said, President, earlier, which I didn't. Now it's my turn to say it. I wanted to thank you for coming along with the much needed vaccines that I think, I'm sure it took much space on your plane. You would have brought more people, but you decided to bring us vaccines. So thank you very much. We needed them very badly. And I think, so that's what friends are there for. Thank you very much. Thank you so much. No, in a nutshell, I will be very happy this evening to go with President Gagamez Basketball League. And but anyway, just in a nutshell, I don't want to repeat what I mentioned in my statement, but for me, the very core of this new partnership is all the bilateral projects we will push together, part of the roadmap signed today. It's part of, as well, of the regional initiatives. Basically, we lead together the different countries in the region I mentioned. And beyond that, some of the critical Euro-African initiatives or multilateral initiatives we launched together. ACTA 1 year ago, which was absolutely critical for sanitary and financial answer to the crisis. And I wanted to thank once again President Kagame for his presence last week in Paris, but we launched together with a few African leaders a new deal for the financing of African economies. And it's how, through a reshaping of the IMF, World Bank, and series of bilateral relations, how basically to have a new type of investment, both public and private, for the African economies. Because today there is a gap of, let's say, $280-290 billion of financing between now and 2025 for the African continent. And this is a minimum. And if we don't mobilize the global community on our institutions in order to deliver and to provide opportunities to people in Africa, we will not just miss opportunities, but we will build the next disasters. And this is part of the initiative we are taking together. This new deal for financing in Africa, both public and private, are part of this new partnership. Merci beaucoup. Thank you, Excellencies. Excellency President Paul Kagame, Excellence Monsieur le Président Macron. This marks the end of the press conference. We thank you once again for your time. Merci beaucoup.